Rebonjour. Catégorie intergénérationnelle. Les nominés sont Colibri, Carsat Rhône-Alpes et Loire Habitat. Je vais leur demander de bien venir me rejoindre. De bien vouloir venir, pardon, me rejoindre. Mettez-vous plus sur le devant. Voilà, parce que sinon, pour les photos, ça pose un petit souci. On va faire comme tout à l'heure. On va vous demander de présenter votre projet en quelques instants. Et puis après, évidemment, ce sera le moment de la remise des prix. Alors, allez-y. Alors, le projet donc, de Loire Habitat concerne une salle partagée réservée aux seniors, un atelier des projets et un café associatif sur la zone de Saint-Romain-le-Puy, qui a pour objectif de rassembler du monde autour de ces 60 logements et de la commune dans un but de mixité intergénérationnelle. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Mélanie, je suis la fondatrice de Colibri Intergénération. En fait, on est le premier site internet à promouvoir quotidiennement le concept d'habitat partagé et solidaire au travers du digital à 100%. Et on le fait autant ici à Saint-Étienne que dans d'autres régions où il y a des problématiques étudiantes et retraitées de lien social, d'habitat, de pouvoir financier. Et notre objectif, c'est vraiment de reconnecter les générations entre elles au travers de ce logement. Merci. Bonjour à tous, Lucille Billan, je travaille pour la Carsat Rhône-Alpes, donc qui est une caisse de retraite. Vous avez entendu tout à l'heure notre directrice Sylvie Salavert. En tant que caisse de retraite, nous souhaitons promouvoir la cohabitation intergénérationnelle, comme la collègue vient de le présenter, qui est effectivement un mode d'habitat dont on a envie de parler, puisqu'il y a des jeunes qui ont du mal à trouver des logements. Et aujourd'hui, on a des personnes retraitées qui disposent d'une chambre libre. Et donc, en tant que caisse de retraite, on va vous aider à vous rencontrer, à échanger, à voir si vous partagez des choses en commun et si vous auriez envie de vivre ensemble sous le même toit, dans le respect de chacun. Et donc pour cela, on va vous accompagner dans la souscription d'un contrat qui va définir précisément les conditions de cet habitat partagé dans lequel on croit beaucoup, puisqu'effectivement, il y a de l'échange, il y a de l'intergénérationnel, il y a du partage, il y a de la solidarité. Et donc c'est une solution que nous portons fortement en tant que caisse de retraite avec la CNAV. Donc, je salue le président Rivière et notre président Éric Blachon au niveau de la Carsat Rhône-Alpes. Voilà, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas un lauréat, mais deux, puisque en fait, au moment du jury, vous savez qu'il y a toujours le comptage de points. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ils sont arrivés exactement au même nombre de points. Donc, messieurs, je vous laisse annoncer les lauréats. Bien. Alors, grosse surprise, il y a des ex-échos. Deux ex-aequo à première vue. Donc lauréat Colibri, reconnecter les générations grâce au logement partagé et au digital. Et donc ex-aequo, le deuxième lauréat, c'est la Carsat Rhône-Alpes avec ce projet de cohabitation intergénérationnelle solidaire qui a été exposé ce matin et qui mérite bien d'être soutenu. Merci, bravo. Félicite aussi la Loire Habitat qui a fait un très beau projet. Mettez-vous devant pour faire les photos. Allez-y, monsieur Rivière. Voilà. Allez faire les photos avec les lauréats. Allez-y. Voilà. Séance photo.